Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours, pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Il est vraiment ressuscité. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Nous arrachant à la puissance des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Gloire à toi, béni entre les morts. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né toute créature. En lui tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Gloire à toi, premier-né entre les morts. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Gloire à toi, premier-né entre les morts. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Gloire à toi, béni entre les morts. De l'Épître aux Hébreux. Jésus, puisqu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est en mesure de sauver d'une manière définitive ceux qui s'avancent vers Dieu grâce à lui, car il vit pour toujours afin d'intercéder en leur faveur. C'était bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, sans tache, sans aucune faute. Séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Thank you.
Ce n'est pas pour juger le monde que Dieu a envoyé son Fils, mais pour le sauver. Alléluia. Ce n'est pas pour juger le monde que Dieu a envoyé son Fils, mais pour le sauver. Alléluia. Supplions le Tout-Puissant qui nous a rendu la vie en Jésus ressuscité. Dieu de nos pères, tu as fait passer ton peuple par les eaux du baptême. Convertis nos cœurs à la vie nouvelle. Tu nous as ramenés de la dispersion vers le pasteur de nos âmes. Donne-nous d'être fidèles à sa voix. Tu as voulu que la parole du salut vienne du peuple juif. Révèle aux enfants d'Israël que la promesse faite à leur père est accomplie. Tu as réconcilié tous les êtres dans le Christ. Ne laisse pas les amis séparés, les époux désunis. Tu as fait voir à Étienne la gloire de ton Fils. Ouvre ton paradis
à ceux qui sont morts pour lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre en ciel. Tu as révélé, Seigneur, que tu serais la vie de tes fidèles, la gloire des humbles et le bonheur des justes. Réponds à ceux qui te supplient. Ils ont soif des biens que tu promets. Ouvre-leur tes réserves de grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.